Bon, et José, il est rentré à quelle heure? 2-3 heures du mat, enfin je sais pas. 2-3 heures du mat? Et tu lui as même pas demandé où il était? Je viens de te dire, Lali, qui m'a pas adressé la parole de la nuit. Oh oh, c'est quand même bizarre qu'il soit dans un état pareil, juste parce que tu lui as coupé ses cheveux. Oh. Oh bah moi ça m'étonne pas, il est tellement spécial ce type-là. Et... Bon, tu veux pas que je fasse une petite enquête? Mais qu'est-ce que tu racontes? Eh ben oui, quoi, histoire de savoir si c'est vraiment à cause de la coupe de cheveux qui te fait cette tête. C'est vrai, je peux le sonder. Lali, mêle-toi de tes affaires. Et... Moi, je dis plus rien, Mais c'est parce que j'aime pas mon Bénédicte dans cet état, c'est tout. C'est vrai. Moi non plus, j'aime pas te voir avec cette petite tête-là. Oh, oh les filles, arrêtez. Hey. De toute façon, c'est... Excusez-moi, je suis en train de tout gâcher, là. Oh, mais arrête, tu gâches rien du tout. Mais simplement embêté pour toi, c'est tout. Mmh. Que vous en pensez? Vous croyez pas que je devrais retourner le voir pour m'excuser encore une fois? Oh, écoute, moi je serai toi, je le laisserai se calmer tout seul, hein? Hey, Cynthia a raison. Non mais c'est vrai, après tout c'est pas si grave que ça ce que tu lui as fait. Ça devrait être lui, tiens. Oh attends, ouais, exagère pas quand même. C'est vrai que sa coupe, je l'ai pas raté. Hein. Hey, on arrête de se morfondre. Tu vas le voir et tu lui dis d'arrêter son cirque. Mais, Lali, tu sais... Arrête, ça suffit. À chaque fois, c'est toi qui reviens en arrière. À chaque fois, c'est toi qui descends. C'est vrai, le seul moment où il a flippé, c'est quand t'as failli le quitter. Alors ça suffit, maintenant, il a toujours le dessus sur toi. Alors, sois un peu forte. Mais Lali, mais j'essaye d'être forte, j'essaye. Bon, allez, hein. Ça va aller mieux, j'en suis sûre. Et moi aussi, je sais qu'il t'aime. Oh, t'es mignonne. Et au fait... Il y a Linda qui a appelé cette nuit. Bah oui, j'avais le téléphone à côté de moi, au cas où José appelle. Et elle va bien et elle vous embrasse. Mmh. Encore une qui a le sens du décalage horaire. Tu vois. Ça va, toi? Ouais, ouais. Dis-moi, José, c'est d'avoir fait la fête toute la nuit qui te met dans un état pareil, là? Je vois pas de quoi je suis parlé. Dis donc, t'es rentré à quelle heure cette nuit? Où est-ce que t'étais passé? Ça me regarde. Ok, ok, excuse-nous. C'est vrai, tu sais. Ce n'est pas sympa de pas avoir prévenu Bénédicte. Elle était hyper inquiète. Attends, mais j'ai pas de compte à lui rendre, hein. Après ce qu'elle m'a fait. Oh, arrête avec tes histoires de cheveux, t'es mignon comme ça. C'est vrai. Que si je n'étais pas fou amoureux de fille, je ne dirais pas nous. Alors si on est nuls, tu vas nous aider à préparer le petit déjeuner, parce qu'on est loin d'être prêts, là les filles vont pas tarder à arriver. Allez, reviens. J'arrive. Qu'est-ce qui va pas, toi? Rien, ça va, ça va. Tu te prépares la toast, là, José? Ouais, si vous voulez. Ah, là vous allez voir, les filles vont se régaler. Mmh. C'est pour séduire Manuela ou Cynthia, cette omelette? Peut-être les deux. Ah tiens, en fait, José, Jimmy a composé une super chanson pour Manuela. Oh, t'exagères là, Sébastien. Non, non, je t'assure, elle est très bien. D'ailleurs, ça me ferait très plaisir de la jouer avec toi. C'est vrai? Bah, plaisir. Moi aussi, hein. Toi aussi, José, j'aimerais bien un fond de violon. Non, j'ai pas envie de jouer. T'as tort, elle est très bien, cette chanson. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Je suis désolé, mais en ce moment, j'ai pas envie de jouer. Ça arrive. Oh là 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 là, ça va pas du tout, hein. Il est temps que tes cheveux repoussent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est la première fois que je vois quelqu'un dans un état pareil à cause d'une coupe de cheveux. Tu vois, ça arrive parfois. Hein. Qu'est-ce qui se passe, José? Rien, rien, ça va. Salut tout le monde, salut José, salut Jimmy. Salut, une Kiligui au moins. Ouais, j'ai de la chance, parce que c'est la mienne. Eh ben ouais, tiens, c'est la première fois que tu me dis que t'as la chance de m'avoir dans ta vie. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? Une super omelette. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Génial. D'après l'odeur, j'en suis sûre. Ah oui. Attention, je suis au devant. Tiens, Jimmy, au fait, je passerai devant tout à l'heure au local. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Et surtout qu'on doit travailler notre chanson avec Sébastien Lazourte. Ouais, génial. Alors ça y est, je vais avoir une vraie chanson. Si tu veux, on peut même enregistrer ta voix et la présenter une maison de disques après. Et moi? Tu veux toujours tout. Non, mais je sais pas, tu pourrais m'écrire une chanson aussi, hein. D'accord, mon bébé, c'est promis, je vais t'écrire une chanson. Oups. Bénédicte, fais de l'omelette.
Non, merci, là, j'ai pas faim, là. Non ? Bon, bah, toi, José, un petit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu arrêtes, José, là. C'est ridicule. C'est pas parce qu'on t'a coupé trois poils sur la tête qu'il faut que tu fasses la tête comme ça à Bénédicte, enfin. C'est bon, je t'en prie, là. Non, mais il faut bien que quelqu'un parle dans cette maison. Non, mais attends, Lali, Lali. Occupe-toi de ce que tu regardes, d'accord ? Pour une fois, ça va changer. Ça va, oh. Ouais, t'as raison, ça va. Ça devient irrespirable ici. Je vais au local, salut. Tiens, tiens. Ça doit être la pleine lune en ce moment. Hein. Allez, mange un petit peu. Ça te fera du bien. Hein? Ouais, c'est bon, là, j'ai pas faim. Sinon, pour là-bas, ça te va, Jimmy? Ah bah, c'est génial. Hé, hey, vous savez que vous êtes vraiment doué. Ah, pas du tout, Jimmy. C'est toi qui es doué. Tu l'as entendu, ta chanson, elle est magnifique. Eh, hey, franchement, c'est pas un plaisir de travailler sur une chanson comme ça. Bon, on irait toi, j'ai une idée pour le pont, oui? Ah, ça, je te fais confiance, hein. Parce qu'au niveau sensibilité... Attends, attends, avant... T'es la meilleure. Attends, écoute d'abord. Et... regarde. Pourquoi tu fais pas une intro au piano? Ouais, c'est vrai. Hé, hey, ça sent pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, José? Non, non, je suis désolé, Jimmy, mais... j'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Ah bah... c'est pas grave, hein. On verra ça demain. Qu'est-ce que tu as? Ouais, qu'est-ce que tu as, José? Qu'est-ce qui ne va pas? Hé, hey. T'as fait une bêtise hier soir ou quoi? Oh. Non mais attends, pourquoi j'aurais fait une bêtise? Elle est nulle, ta question. Non, mais attends, je sais pas, il a raison. T'aurais pas, tiens, au hasard, t'aurais pas dragué une fille pour le regretter après, hein? J'espère, parce que tu rendrais ma Bénédicte vraiment malheureuse. Mais je sais, mais... Arrête, José, ça ne sert à rien de lui en vouloir parce qu'elle t'a coupé les cheveux. Votre amour, c'est vraiment beaucoup plus important que ça, non? Hein? Ouais, t'as raison, c'est plus important. Ben voilà, enfin une parole positive. Toi, tu lui fais la guerre depuis deux jours, c'est pas possible. T'as vu l'air triste qu'elle avait ce matin? Arrête, Seb, arrête, arrête. Arrête. Bon, on y retourne, là? Ouais, bon, allez, on y retourne. C'est parti. Oui. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Allez, hop. Et... c'est bon? Vous êtes tous prêts? OK. 3, 4, 1, 2... C'est pas possible! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quand même pas cette histoire de coupe de cheveux qu'il a mis dans cet état, non? Ah, je crois que t'as raison, là, je commence à avoir des doutes. Ça allait trop bien. T'as raison, mais. Bon, c'est pas grave, on réattaque, on va pas l'attendre, allez. C'est vrai, un peu de musique, ça nous ferait bien. Allez, Olivier Comte. Bon, d'accord, ok, on y retourne. Ah là là! Bon. 3, 4, 1, 2. Allez, ça va aller. Je te promets que ce soir, tu le retrouves doux comme un agneau. Mais arrête, c'est pas possible. T'as vu ce matin, c'était de pire en pire. T'as vu comment il m'ignorait? T'as vu comment il a parlé à Lali? Oh, ah ben y a qu'aujourd'hui que tu t'en aperçois. Moi, je te signale qu'il me parle comme ça tous les jours. Mais José, c'est quelqu'un qui n'a aucune éducation, aucune. T'en rajoutes pas, s'il te plaît? Moi, je crois que c'est lui qui en rajoute. Tu te tais, je te dis. Bon, bah, très bien, je dis plus rien. Oh là là. Je suis sûre qu'en rentrant ce soir, il va me dire que tout est fini. Je le sens. Mais arrête, où tu vas chercher tout ça? Non, mais vous allez pas vous disputer pour une vulgaire histoire de coupe de cheveux, quand même, ce serait trop bête. Mais tu devrais le connaître maintenant, pourtant. Tu devrais savoir qu'avec lui, tout est possible. Tu vas où, là? Je suis pas bien, j'ai envie d'être seule. Je vais faire un tour. Tu veux pas que je vienne avec toi? Non, je te remercie, Manu, mais c'est bon. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais attention à toi, quand même, hein. Mais oui, t'inquiète.
mais là, il me fait de la peine. Je comprends pas. Tout allait bien entre eux. Et là, José réagit vraiment comme un gamin. Mais attends, mais Manuela. Mais réfléchis deux minutes. Si José fait la tête, c'est certainement pas à cause de la coupe de cheveux que Bénédicte lui a faite. Il est pas si stupide pour ça. Ah oui, c'est pourquoi, là? C'est parce qu'il tombe, Bénédicte, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, là, encore? Ah bah oui. Je vais être obligée de te rafraîchir la mémoire. Bon. Tu te souviens du jour où on est allé dans la cafette? José, et c'est avec une fille. Quelle fille? Eh ben, une certaine Aline, il nous l'a présentée, puis après, tac, il a filé comme un voleur. Ah oui, ça y est, ça me revient. C'était... Ah, ben, c'était juste avant ton accident, c'est ça, non? Exactement. Et je suis certaine que c'est avec cette fille qu'il trompe Bénédicte. Mais arrête, José trompe plus Bénédicte depuis un bout de temps, arrête. Non, mais c'est vrai, il a trop eu peur de la perdre, et je vois pourquoi il recommencerait maintenant. Bon, écoute-moi bien. José, c'est quelqu'un qui a un tout petit cerveau. Et comme tous les petits cerveaux, les opérations enregistrées ne restent pas en mémoire bien longtemps. Je comprends que t'es de pire en pire. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faisait avec cette fille, alors? Mais rien du tout, c'est juste une copine. Toi aussi, t'as des copains à la fac, c'est pas pour ça que tu trompes Sébastien. José, c'est un être primaire. Et comme tous les êtres primaires, la seule fonction qui marche chez lui, c'est quoi? C'est le sexe. Oui, madame, le sexe. Ma petite Lali, ton petit exposé sur José est très drôle, mais arrête ton cinéma, s'il te plaît. Hein. C'est pas du cinéma, c'est la vérité. Mais toi, comme Linda, vous êtes beaucoup trop naïve. Comme fille, vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. D'accord, tu penses que tu veux, mais un conseil. T'en parles pas à Béné, ok? Sinon, je te tue. Bon, bah, très bien. De toute façon, t'inquiète pas, j'allais rien lui dire. Hein. Seulement... Seulement tu te tais. Tu verras bien que j'ai raison de toute façon. Bon, on va boire un coup chez Alfredo. D'accord, c'est toi qui m'invites. À une condition, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ok. Café aussi. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Ça n'a pas l'air d'aller? Ouais, t'as raison, ça va pas du tout. Moi non plus. Bon, Aline, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Je le crois aussi, ouais. Mais tout ça, c'est de ma faute. Genre, j'ai mis du temps t'embrasser et quand t'es venu dans mes bras, alors là... Moi aussi, je sais pas ce qui m'a pris, ce qui m'est passé par la tête, je sais pas. Je regrette d'avoir trompé Bénédicte et d'avoir trahi Sébastien. Je sais plus où j'en suis. Tu as dit à Sébastien ce qui s'était passé entre nous? Oh non, non, j'ose pas le regarder en face. Je me trouve tellement dégueulasse que j'ai envie de vomir. Et pourtant, j'arrête pas de penser à toi. Faut pas, José. Ouais, je sais, ouais. Faut oublier ce qu'on a fait. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est dommage. C'était bien. Céline, quoi qu'il se passe à partir d'aujourd'hui, j'oublierai jamais cet instant avec toi. Et maintenant, je comprends Sébastien. Puis maintenant, je vais te dire la vérité. Quand Sébastien était avec toi, j'ai tout fait pour qu'il te quitte. Je l'ai menacé, je l'ai torturé moralement. Je voulais absolument pas qu'il gâche sa vie, tu comprends? Je trouvais stupide qu'il craque sur toi alors qu'il était avec une fille géniale et qu'il aime. Je comprends, mais je t'en veux pas, José. Attends, j'ai pas fini. Il y a une chose que je ne savais pas non plus, c'est que... Toi aussi, t'es une fille exceptionnelle. Et maintenant, je comprends la force qu'il faut avoir pour rompre avec toi. T'es un garçon merveilleux, José. Ta petite amie a beaucoup de chance. Retourne vite vers elle. C'est ce que je vais faire, ouais. Et toi, ça va aller? Ouais. Je t'oublierai jamais, Aline. Moi non plus. Et je regrette pas d'avoir fait l'amour avec toi. Oh, viens. Qu'est-ce que t'as? Regarde, regarde.
c'est José avec Aline. Oh, oh non, c'est pas vrai. Bah, tu vois, sur ce coup-là, je peux me féliciter, j'avais raison. Sur ce genre de choses, pas vrai que t'es tort, quand même. Bon, et qu'est-ce que... Hé, cache-toi, parce qu'il faut pas qu'il nous voit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va filer d'ici discrètement, on va aller au garage, voir les garçons. Puis, moi, il faut absolument que je parle à Sébastien. Ça tourne bien, hein? Génial! C'est exactement comme ça que je la voyais. Un peu de piano, ça sera parfait. Je ne savais pas que tu avais autant de talent, Jimmy. Eh ben, moi non plus, hein. C'est venu comme ça. Ah, Jimmy, moi j'ai une petite idée sur ta source d'inspiration. Ah. Eh, elle est mignonne, Manuela. Hein? Ouais, ça peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Non, non, mais c'est sa voix que j'adore. Elle me fait planer. Ah. Écoute, ouvre un peu tes yeux, tu verras, il n'y a pas que sa voix. Hein. Salut. Ah, toi, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais. Je suis allé prendre un verre chez Alfredo, ça fait du bien. Ah, ce cher Alfredo, s'il n'existait pas, faudrait l'inventer. Hein. T'as pas vu les filles? Elles étaient là-bas, non? Non. Non, j'ai vu personne. Bon, bah, on va peut-être pouvoir continuer à répéter. Ouais, attends, j'ai pensé à un truc, là. Ton histoire de piano pour la chanson, c'est une bonne idée, ça. Ah bah, merci, c'est génial. Bon, bah, attends, on va peut-être le faire avant. Pour lui dire merci. Hé, hey, je crois que ça va être super, non? Ouais. Je suis désolé pour tout à l'heure. Arrête, c'est rien, l'essentiel, c'est que t'ailles mieux. Hmm? Tu pourrais peut-être me dire maintenant ce qui s'est passé, non? Hmm? Là, je sais pas, j'ai un petit coup de blues, ça arrive, hein. Maintenant ça va mieux. On y va? Ouais, je sais t'en prendre les baguettes et c'est parti. Et... 3, 4, 1, 2. Salut! Salut! Hey, t'arrives juste à temps. Ah bah merci pour moi. En fait, là, lui, écoute, non, au contraire, c'est génial que tu sois passé. Merci. Bon alors, vous en êtes où? Ah bah justement, on est en train de répéter ta chanson. Tu vas pouvoir nous dire si ça te plaît ou non? Bien sûr, ça va lui plaire. Manuela, c'est super. Et... Bon, ben... Et Bénédicte, elle est pas là? Ah bah si, elle est... Elle avait cours. Je la verrai ce soir parce qu'il faut que je m'excuse auprès d'elle, j'ai été nul. Ça y est? Tu te rends compte? Dis-moi, Sébastien, moi j'ai un truc à te dire, tu voudrais pas venir deux minutes? Si, ouais, bien sûr, c'est grave. Non, non, c'est pas grave, mais c'est juste que je voulais te le dire en privé, quoi, c'est tout, tu viens? Ok, bon, on y va. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Oui, ça va bien, mais voilà, je vous ai trompé, Bénédicte. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas des histoires, écoute. Tout à l'heure avec Manuela, on est allé dans la cafétéria et quand on est arrivé, ben, on a vu José avec une fille. Une fille? On la connaît? Bah ouais, tu la connais, toi. C'est la fille que t'as renversée en moto, tu sais. Aline, une petite blonde, tu vois? Qu'est-ce que tu racontes, là? Non, mais c'est vrai, en plus, bon, ils étaient là tous les deux. C'était horrible, quoi. Ils se donnaient la main, ils avaient l'air très amoureux, enfin. C'est pas possible, ça. Mais si, bah, tu me crois pas? Écoute, demande à Manuela, je te jure que c'est vrai. Non, non, ça va. Mais attends, j'ai pas fini. José, viens voir, faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, tu décroches pas un mot, qu'est-ce que t'as à la fin? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Aline. Quoi, Aline? T'es avec elle? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Lali et Manuela t'ont vu avec elle chez Alfredo. D'accord, j'ai compris.
T'es avec elle, c'est ça? Mais non, non, attends, je vais t'expliquer, Sam, ok? Calme-toi. T'as rien à expliquer, d'accord? T'es un salaud. J'ai tout compris maintenant, c'est pour ça que tu voulais que je la quitte? Mais pas du tout, Sam, calme-toi, enfin! Je vais pas me calmer, tu sais ce que t'es, José! Ouais, je sais, un salaud, tu l'as dit. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Mais je sais pas pourquoi. On s'est vu comme ça chez Alfredo et... Elle était triste, alors on a discuté. Tu l'as consolée, c'est ça? T'entends ce que je te dis? Qu'est-ce que t'as fait avec elle? Mais rien! Rien! Et pourquoi elle m'a dit que tu lui tenais la main chez Alfredo, alors? Parce que je l'ai consolée, tu comprends? Elle était triste. Jusqu'où tu l'as consolée. Bon, d'accord. Alors voilà, on a couché ensemble hier. Ça te va, ça? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. J'en sais rien, ça s'est fait par hasard, comme ça. Elle était triste. Moi, j'étais mal. On était au local. Et puis elle s'est mise à pleurer. Alors moi, j'ai pris dans mes bras, et voilà. Mais je regrette, Seb. Je te jure, je regrette. Je regrette pour toi. Pour Bénédicte aussi. Mais ça compte pas, tout ça. C'est fini. Pourquoi tu l'as vu aujourd'hui, alors? Mais je l'ai croisé par hasard, Sébastien. Je te jure que c'est vrai. Le hasard fait bien les choses pour vous. Hein. Et dire que tu m'as fait la morale jour après jour en me disant que ce que je faisais, c'était pas bien pour Lali. Et que cette fille en valait pas la peine. Je suis désolé, Sam. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimes encore? Je croyais l'avoir oublié. Quand Lali m'a dit qu'elle t'avait vu avec Afad, j'ai reçu un coup de poing dans le ventre qui m'a coupé le souffle. Je suis désolé, Sébastien. Excuse-moi. Je t'en veux pas, José. Je crois que je suis toujours amoureux d'Aline.